Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je n'entends pas fortement les amens. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Cette rencontre, nous avons préparé le mariage depuis une année. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait pratiquement 2 mois, je ne devais même pas être là. Compte tenu du fait qu'on avait un programme de mariage de ce 5 là. Parce que le 18 de la semaine prochaine, je devais avoir une rencontre à l'ONU par rapport à l'ONG. J'ai dit pour rien au monde, je ne peux rater ce mariage. Et donc la cérémonie a été reportée dans le mois de novembre. Vous savez, nous avons le mois de novembre, de juillet, ou plutôt, et le mois de décembre, ce sont les 2 mois. Cette année, c'est le mois de juillet pour les mariages. Parce que, donc, je ne pouvais pas rater, parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et je suis très fatigué. Mais marié la fatigue, je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, reporter. J'avais voulu, mais après ça, je me suis ressaisi rapidement parce que c'est irresponsable. Et je tenais aussi à ce mariage parce que j'aime ce couple-là. Je tenais aussi à participer et officier ce mariage. Je bénis le nom du Seigneur qui me fortifie ce soir pour prendre le micro. Toute la journée, je suis resté dans mon lit en train de dormir parce que je voulais être en bonne forme et prendre le micro devant vous. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, tout le monde présent ce soir. C'est vraiment un événement de taille. Voilà, il s'agit d'un mariage. Gloire soit rendue au Seigneur parce que selon les données bibliques, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Et le mari en question est l'un de nos responsables. Je remercie déjà l'Église pour l'organisation. J'en profite aussi pour remercier les parents de... d'abord le pasteur et son épouse qui Dieu bénisse. Il y a les parrains de la mariée. Bon, déjà le papa et c'est le pasteur. Est-ce qu'on peut les saluer, le pasteur? Merci beaucoup. Que ça se passe devant eux, que Dieu bénisse, c'est un pasteur. Les parents du marié. Son papa. Oui, je ne peux pas te descendre. Ouais, que... Voilà, vous m'arrêtez comme beaucoup les parents. Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Mon fils qui est Serge et ma fille. Parce que c'est une fille que je suis. C'est cela. Mais sa manière de vivre avec moi, il sait que ça peut. Je demande au Seigneur de m'aider dans les conditions difficiles. Les points forts de notre riverain vient de Dieu de la mer. Que Dieu bien sûr. Je dis merci à Dieu. Amen. Amen. Avec l'accord de la famille. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est de prier pour que ce mariage la dure longtemps et que ce mariage la soit béni. Sinon, le mariage, c'est ce qui a été fait. La dot. On bat, on dit, on aime cette femme, on veut l'épouser et puis on est d'accord. Si les parents sont d'accord, ok, nous autres, on vient maintenant faire la bénédiction. C'est ce qu'ils ont essayé de faire tout à l'heure. On va demander au monsieur et madame, le mariage a été instauré par toi depuis le jardin de Dain. J'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Monsieur Tchétché prend maintenant épouse Rachel, qui devient madame Tchétché. Éternel notre Dieu, nous prions de bénir ce couple. Nous te prions, viens, toi qui es le prince de paix, d'apporter la paix dans ce couple-là, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'au nom de Canaan, le vin ayant manqué, le vin qui est symbole de joie, toi tu as transformé l'eau en vin. Tu peux encore apporter la joie dans ce couple. Nous t'invitons, sois constamment là, quand il y aura des problèmes, pour intervenir dans le nom de Jésus. Toutefois, qu'il y aura des difficultés, nous aimerons que tu interviennes dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute œuvre de divorce dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi préparait fait dans le passé est détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions que ta grâce abonde dans leur vie.
Nous te prions que la puissante main abonde dans leur vie. Seigneur, la prospérité s'attache à eux. La santé, la longévité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore de bénir leur enfant, Seigneur notre Jésus. Merci. Permette que ce cours soit un modèle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais commencer. Merci Seigneur. Dans ta langue, c'est mieux. Jésus, voilà mes deux enfants. Tu es français? Je suis marié aujourd'hui. Il faut parler en dita. Alors, papa, il faut les bénir en dita. David dit à Jonathan, l'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes tenus. Et mon fils Serge et ma fille Rachel sont devenus parole pour déclarer l'amour l'un envers l'autre. Nous prions que Seigneur, toi que le fondateur, toi qui as institué le mariage, que l'amour, qui est l'incarnation de ta personne, soit le fondement de ce foyer. Viens la souffler les vents et les tempêtes. Que l'amour calme ces tempêtes au nom de Jésus-Christ. Nous prions que, comme l'a dit ton serviteur, que ta main puissante qui bâtit toutes choses soit sur la vie de tes enfants. Car la Bible dit que si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. Bâtis ce foyer. Et qu'après ce mariage, Seigneur, des portes de grâce et de faveur leur soient ouvertes. Et que la gloire te revienne. Merci pour ton serviteur, son conseil et toute l'Église. Tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, Seigneur, à réaliser ce mariage, nous te prions de les bénir. Cela que tu l'as dit que toutes les fois que vous donnez quelque chose à un de mes petits-enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et votre récompense sera grande dans les cieux. Tu récompenses tous ceux qui ont donné de l'argent. Tous ceux qui ont donné de leur temps, tous ceux qui ont donné de leurs moyens physiques pour ce mariage, Dieu bénis-les au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que ce lieu dans lequel nous sommes, Seigneur, soit visité par ta grâce. Et que des miracles authentiques pour la gloire de son nom s'opèrent en ce lieu. Et que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Il va porter ça à sa femme. Il faut lui dire directement que c'est le symbole de ton amour. Tu lui portes cette alliance preuve de l'amour que tu as décidé de vivre avec elle durant toute ta vie. Mon trésor. Ah, c'est trésor. Est-ce que tu as l'air? C'est pour tout l'année, c'est cher. Je te porte cette alliance, notre signe d'amour pour l'éternité, signe de fidélité et d'amour pour notre amour. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Ah, c'est les petits noms là qui m'intéressent. Trésor. Elle est fidèle.
fidélité. Amen. Pour l'éternité. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Ils sont maintenant déclarés le Oh,
Envoyez vos cadeaux au mari. Des cadeaux. Voilà, vous envoyez. C'est le moment des cadeaux. Voilà, c'est le moment des cadeaux. Bye.
là. Ah, Jésus, ah, Jésus. Il est bien né, oui, vous d'ailleurs. Il en est, oui, vous d'ailleurs. Il en est, oui, vous d'ailleurs. Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Seigneur vous accorde une onction de mariage. Amen. Et que vous rencontrez l'amour de votre vie. Amen. L'amour de votre vie. Amen. Voilà, qu'il y ait cette rencontre. Recevez la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment très important de rencontrer l'amour de sa vie. C'est quand on rencontre l'amour qu'on décide de vivre ensemble. Amen. Ouais. C'est tout ce que nous voyons côté, c'est le superflu. Ce qui va demeurer, c'est l'amour. Et recevez toute la grâce de Dieu. Recevez toute la bénédiction du Seigneur ce soir. Soyez puissamment bénis par le Seigneur. Je vais laisser la cérémonie. Voilà, le pasteur va conduire le reste du temps. Moi, je m'apprête.